Et aujourd'hui, une défense sur étranglement arrière, nous allons faire Kouchi Makikomi. Alors, c'est une technique que nous allons faire lorsque nous ne pouvons pas nous dégager ou que nous ne pouvons pas le projeter à partir de la position debout. Donc, ça implique que l'adversaire résiste et que vous n'avez pas eu le temps de réagir. Bien. L'adversaire nous saisit avec l'idée de m'étrangler comme ceci. D'accord ? Dès que le bras passe, on commence. Je vais tourner la tête, contrôler le bras. À partir de cette position, je vais essayer de projeter. Il résiste. Je fais un pas du pied gauche, un tout petit pas ici, et je donne un coup de hanche pour lui faire déplacer son pied. Ouais. Son pied est bien là. Maintenant, je vais lancer ma jambe droite loin là-bas en fléchissant sur ma jambe d'appui. Regardez bien. Voilà, ici. Ok. De là, on va passer le pied gauche ici et on va venir le frapper au menton pour tourner la tête ici. On pose le genou gauche, je ramène le genou droit et je viens le frapper. On va le faire dans cette direction. Donc le bras part tout de suite. Je tire, ça résiste. Contrôle. Là, ici. Ok, regardez bien la jambe où elle va. Gardez bien le contrôle du bras avec les deux mains, sinon il va vous étrangler. Et ici. Ok. De cette position, on passe la jambe gauche. On vient le frapper, on tient le menton, hein, on ne le lâche pas, genou droit sur son corps, et on vient le frapper ici, à la gorge. Assis.